Connaissez-vous l'histoire de l'assassinat de Robert Luong, l'amant de Patience Dabani? Samedi 27 octobre 1979. Il fait froid et le brouillard tombe sur Villeneuve. Vers 22h, deux balles sont tirées sur Robert Luong devant son domicile au HLM du Pont de Marot. L'affaire criminelle débouche très vite sur une affaire d'État. L'homme qui vient de mourir avait travaillé comme décorateur dans le palais du président Omar Bongo à Libreville au Gabon. Devenu l'amant de la première dame de ce pays, il aurait reçu l'ordre de rentrer en France et de ne plus chercher à revoir Madame Bongo, mais il passa outre cette injonction. Une enquête rapide apprend aux enquêteurs que Robert Luong est revenu au début de 1979 du Gabon, où il avait séjourné plusieurs années. Il en a été expulsé sur ordre du président Bongo. Dans sa voiture, la police retrouve aussi une serviette en cuir contenant des lettres d'amour par dizaines. La hiérarchie gabonaise se manifeste avec beaucoup d'insistance, exigeant d'être tenue au courant en temps réel des moindres avancées de l'enquête. Les policiers comprennent très vite que l'affaire est politique et que la victime est sans doute bien plus qu'un simple peintre bâtiment. Les enquêteurs apprennent que Luong est arrivé à l'aéroport de Marianne à bord d'un jet appartenant à la présidence gabonaise. Il était escorté par deux membres de la garde du président Bongo et par le chef du service de la documentation extérieure gabonais. La presse locale, puis nationale, s'empare à son tour de l'affaire. Le 15 juillet 1980, 8 mois seulement après les faits et alors que le nombre de témoins n'ont même pas été interrogés, le juge d'instruction prononce un non-lieu. En effet, selon les sources qui relaient des rumeurs connues de tout Libreville, la vraie raison de l'expulsion de Robert Luong, c'est qu'il est soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec Marie-Joséphine, l'épouse du président gabonais, connue sous son nom d'artiste, Patience Dabani. Dès lors, l'enquête patine. La hiérarchie judiciaire conseille lourdement au magistrat instructeur de passer à autre chose. En février 1982, l'avocat de Liliane Luong, la femme de Robert Luong, est contacté par un représentant de l'Association des Amis du Gabon. Il demande à l'avocat combien d'argent il faudra verser pour que la femme de Luong se retire. L'avocat estimant qu'un arrangement financier est la meilleure issue possible pour la veuve et ses enfants, propose au hasard la somme de 1 million de francs. Le montant est accepté sans discussion et l'argent rapidement versé. Liliane Luong se retire de l'affaire et le 14 mars 1983, un nouveau non-lieu est prononcé.